comment, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super méga giga bien, je suis au taquet. Ça dort encore ici, ça dort encore là-bas, ça dort encore en haut, ça dort encore en bas. En bref, vous l'avez compris, pour cette vidéo, nous allons être relativement nombreux, mais je tiens à le préciser, nombreux testés négatifs au Covid. Sinon, bien sûr, cela n'aurait pas été possible. Tout est plus compliqué en 2021. Avant de commencer cette vidéo, si c'est pas encore fait, je te propose gentiment, là, tranquillou, on est posé, de t'abonner à ma chaîne YouTube. Pense à activer la petite cloche pour recevoir une notif dès que je poste une nouvelle vidéo. Et tu peux aussi venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Nous allons partager avec vous 24 heures à la neige, entre potes, en famille. Ça risque d'être épique, donc si vous êtes prêts, on commence dès maintenant. Ninou, t'es ready? Je suis ready. Ninou, il dort à moitié encore. C'est parti. Merde! Et je vais quand même vous montrer, regardez la vue fortement merveilleuse et sympathique que nous avons de la chambre. Bon, mademoiselle Louane m'a rejoint. Réveil difficile aussi, on va pas se mentir. Avant de faire la house tour, on va aller déjeuner. Ninou, t'as faim? Oui. Oui, on a tous faim, on va déjeuner. Ta tête au réveil. Bonjour. Je crois qu'elle se regardait. Regardez comme c'est beau. Diète un jour, diète tout. Ah oui, mais c'est minimum syndical. Ah bah, tu m'as dit un œuf. Oui, mais t'as même pas mis du sel, du poivre. C'est salé, bien sûr, c'est salé. Merci, mon Ninou. Non, non, je rigole, merci. Toi, t'as... Non. Ça, la diététicienne, elle a dit non. Tiens, on le donne à Jay. Jamy, ils vont le manger. Non, oui, voilà. Nous avons terminé de déjeuner. L'heure est au house tour. Nous allons faire visiter cette maison qui est juste ouf. Ouais. Je donne la caméra à Ninou. Nous sommes donc ici dans notre chambre, chambre parentale de Ninou, des Ninous. Et dans chaque chambre, en fait, il y a la petite salle. Enfin, petite, non, en fait, la très grande salle de bain. Donc là, ici, c'est là où on range nos affaires de neige. Mais en vrai, ça fait aussi petite salle de jeu pour les enfants. Donc voilà, on est quand même sur des grandes pièces de ouf. Hein. Là, c'est grand aussi. En fait, toutes les parties de la maison sont en double, t'as remarqué? Parce que en face, là, on a exactement la même chambre que nous. Petit escalier. Ah non, c'est Jay et Amy. Et ils sont bordéliques, hein. Viens, on va fouiller dans leurs affaires. Allez, chier tranquille. Attends, il va aller aux toilettes. Allez, vas-y. C'est bon, mais vas-y. Mais non, vas-y, Jérémy, va aux toilettes. Je vais chercher. Allez, voilà. Ouais. Qu'ils ont, eux, ils ont une baignoire XXL. Okay. C'est même pas agréable en vrai, c'est presque trop grand. Ici, on a le petit sauna. Voilà, il fait pas chaud, il est pas en marche. C'est beau, hein. Voilà, donc là, je l'ai dit, la même chambre en face. Allez, nous. Donc là, on a la cuisine, le séjour, le salon. Avec la petite cheminée, c'est là où on squatte le soir. Dan, je le prends, je vous montre. Oh, ça pique en vrai, hein. Une deuxième fenêtre qui donne sur le jacuzzi. On n'a pas pu encore le faire parce qu'il était trop froid. Waouh. Et là, il y a une piscine l'été. Oui, Ninou, mais il fait froid. Allez. D'accord. Là, en vrai, c'est la pièce interdite aux adultes qu'on est ici. Est-ce qu'on n'est pas bien? Salle de jeu, baby foot. C'est ok. Petit flipper. Maman, tu veux jouer de chartier? Bon, je vais défoncer ma fille, on se retrouve après. Go, tell it on the mountain. Nous voilà équipés comme Jaja, on est clairement sur une dizaine de couches. Du coup, pourquoi on se prépare? Ben, tout simplement parce qu'on va aller faire une petite excursion dans la neige sous ces fabuleux moins 10 degrés et on vous emmène avec nous. On est parti pour la rando. Moi, je voulais juste montrer, il y a une différence de style. Nous, et là quand même. Là quand même, on est dans un atelier là quand même. Hein. Vas-y là, je te défonce, et nous. Allez, ça fera. On est opérationnel, activité du jour, activité raquette. Es-tu ravi mon fils? On est là, hein. Est-ce qu'on va gérer là? Oh, ouais. On va gérer. Ça, le loup, coco. Là on est quand même dans des paysages à couper le souffle. Et du fait que malheureusement bah, les pistes soient fermées, bah, y a des gains et la neige elle est juste bah, neuve quoi. C'est ouf. Ninou, est-ce que là on peut dire qu'on s'est enflammé dans un truc qu'on ne maîtrise absolument pas? C'est le genre de délire que t'es content la première minute. Y'a tout le monde qui chute à la main. Oh là là, ça tombe de tous les côtés. Tout le monde est à terre, on est sur un échec de cette randonnée raquette. Attention Mathis, non. Non, tu chutes. Le karma, c'est quoi? C'est risque du métier. Ce qui est énervant dans ce genre de montée, c'est que t'as toujours un mec qui t'énerve, qui est easy, tu vois. Et il est là. Voilà. Non. Le karma, c'est quoi? Oh là là, là c'est la blessure, oui. Allez ma loulou, qu'est-ce que vous faites? C'était un peu suspicieux, hein. Ninou, tu faisais quoi avec Alex? J'ai mis la clé dans son sac. Ouais, fais gaffe, hein. Allez les mecs, on donne tout là. En vrai, on monte de ouf. Mais ça fait du bien, ça ouvre les chakras, ça ouvre les poumons. Ce soir, on va bien dormir. On a donné, hein.
Et on part pas de là, on part de là-bas, plus loin en bas. Mais on n'a pas fini, les gars, ils veulent continuer là-bas. T'as pas envie? T'as pas envie? Nathan, t'as envie? Ah! On est trop bien. Là, on a commencé la deuxième montée. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'arrête pas de dire aux enfants, c'est la dernière. Sauf que ce n'est jamais la dernière. Sachez, quand vos parents vous disent ça, ils vous mentent. Bon, on entame la redescente pour rentrer au chalet. Franchement, c'était intense en vrai, mais trop agréable. Mais on a pris des photos de ouf pour Insta, pour nous, pour nos souvenirs, etc. Trop belle photo, le décor était parfait. Là, le vent commence à se lever et clairement, on va pas se mentir, il commence à faire un peu froid. On part sur un repas organisé, dis-nous, est-ce qu'on est sur un truc gastro ou pas? Alors, on n'oublie pas les légumes. Mais bien sûr. Petit poivron, ouais. Et petit champignon. Bon, bien d'accord. Sûr. C'est la cantine. Ouais, c'est bon clair. Appétit. Merci. Oh, ça finit mal. Alex est prêt. Oh Nico il va jusqu'en bas. Je la sens mal cette course. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai perdu. On doit inaugurer le jacuzzi, ce qui veut dire mettre les pieds dans la glace. Nous avons bravé le froid, nous avons bravé les raquettes, nous avons bravé la luge. Nous sommes dans un jacuzzi bien mérité, à la nôtre. Santé. Notez quand même que je brave le froid pour essayer de vous faire un plan qui en vrai ressemblera à rien. Et en vrai, grâce au jacuzzi là dehors, vous voyez, je suis même pas habillée de ouf et on a moins froid. Bon, pour le moment, je fais la belle là, mais dans 5 minutes, je ferai moins la belle. Non ! Arrête, il fait froid ! Et alors ? Ah, ça mange en scred, hein ! Oh my goodness ! Flavien, comment ça se passe ? Vous savez qu'on va manger gras ce soir déjà. Mais t'as mangé quoi ? Là, t'as mangé quoi ? Moi, j'ai mangé juste une tartine avec un morceau de truite. En fait, c'est quoi ? Je vais te dire, elle est jalouse. J'avoue. Ouh ! Je le mange. Ça regarde le foot et ça va partir en... Baston ! En... Cacahuète ! En... Le secret d'une bonne raclette réside dans une bonne... patate. Merci. On a fait des patates. Oh, la belle patate. Attends, je peux te mettre en ralenti. Toujours les mêmes en cuisine. Exactement. Allez. Tiens, épluche la patate. Ah, je déteste faire ça. Je vais planter ma caméra dans la neige. Les conditions de tournage sont optimales. On est au top là, franchement, cadre parfait. N'empêche, vous pouvez noter qu'on s'est habitué au froid. Et vous pouvez aussi noter que hier soir, il n'y a plus de vidéo d'un moment, d'un moment à l'autre comme succinct, ça. Succinct quoi. La raclette, les raquettes et la luge nous ont littéralement acheté. C'était trop pour nous quoi. Tu vois, c'est sympa après comme cadrage hein. Oui. Ça donne un certain dynamisme à la vidéo. Une perspective. Une perspective je dirais. Écoutez, ce 24 heures à la neige est terminé là. On est en train en brand combat. Comment on dit? Bon, bref, on est en train c'est la misère, on est en train de ranger tous les valises. Donc vous imaginez l'apocalypse dans la maison. On espère que ce 24 heures vous a plu. On vous en réserve plein d'autres dans les mois à venir. C'est beau. Et on se retrouve très bientôt ici ailleurs pour une nouvelle vidéo. On vous aime de ouf, de dingue, de malade. À très vite. Ciao. Ciao.